voir autant de personnes qui se mobilisent pour le vélo, c'est une chose assez extraordinaire. En plus, on a la chance aujourd'hui d'avoir un parcours qui va se courir au milieu des vignobles valaisans. On a déjà accueilli pas mal de participants pour l'inscription ce soir et le retrait des dossards. Donc on est assez content déjà du succès qu'on rencontre. La Fédération cycliste valaisanne est un petit peu le propriétaire de cette course. Nous avons le plaisir d'avoir un superbe comité d'organisation qui a été mis en place et qui nous amène vraiment toute l'infrastructure aujourd'hui avec toutes les personnes vraiment au bon poste et qui ont fait un travail superbe. Donc on a quatre parcours à choix pour avoir une panoplie de choix pour tout le monde, du populaire qui fait très peu de vélo, qui vient là pour participer à l'événement, jusqu'au sportif aguerri qui veut faire ses 129 km. Et la rencontre entre les professionnels et puis les populaires, c'est donner une fois la chance aux populaires de rouler avec les pros. Donc c'est pour ça qu'il y a cette première partie, je dirais, de Sion jusqu'à Martigny, qui est tout à plat, qui est sur des routes larges où les gens peuvent aller tranquillement tous à leur rythme, discuter, côtoyer les professionnels et puis les personnalités, les VIP qui sont invités aussi. D'être au milieu d'un peloton de plus de 1000 personnes, c'est assez exceptionnel. Ben, je crois que le concept il est tout à fait réussi. On nous a beaucoup demandé, lorsqu'on a lancé cette initiative de la cyclosportive des Vins du Valais, comment on pouvait conjuguer le sport et les Vins du Valais. Et ben, je crois que l'exemple est donné aujourd'hui. Une course magnifique dans le vignoble valaisan, avec uniquement des produits valaisans qui étaient servis au ravitaillement. Là, on roule dans une bonne ambiance. Voilà, la course, c'est surtout pour les populaires qui peuvent se mesurer entre eux. Motivation. Oh, faire un tour en vélo. Vous amuser. Ça se passe très bien vu le temps et l'ambiance et le nombre de participants. Je pense que c'est une excellente carte pour le Valais. Et puis j'espère que cette cyclo va perdurer sur de nombreuses années. Bah, pas mal du tout. Quoi. C'est bon, la vie est belle avec nos cousins. Là, on fait une bonne course. On prend beaucoup de plaisir, mon bonheur, de discuter avec tous ces gens qui posent plein de questions, qui ont bien suivi le Tour de France et puis qui sont fans de vélo. Je prends vraiment bon pied. Est-ce qu'il reste 25, 28 km ? Avec grand plaisir, ça va si beau temps. Il faut qu'ils viennent ici, qu'ils courent. On va voir aussi un petit peu comment ils font. C'est toujours une bonne occasion de repérer qui c'est qui va bien chez les jeunes. On a la chance d'être une région avec pas mal de vélo-clubs qui ont vraiment l'envie de former les jeunes. Alors ici, sur le site des casernes de Sion, la fête pour tous ceux qui nous prêtent encore quelques instants, la fête autour des produits du Valais, autour des vins du Valais. Donc une très grande réussite pour cette première manifestation.